vous regardez RTL. Une grosse tête qui peut vous chanter « Tombe la neige » sans augmentation du prix des consommations. Pierre Bénichou. Pierre Bénichou qui n'a pas l'air de bonne humeur mais qui fait semblant, vous avez remarqué ? Ouais, il le fait très mal d'ailleurs. Incroyable. Il sourit. Quand je suis de mauvaise humeur, on dit de mauvaise humeur. Et aujourd'hui, on dit que je fais semblant d'être de bonne humeur. Pas du tout. Je suis d'une humeur massacrante. Pourquoi ? C'est la neige qui vous plaît pas ? Non, c'est les dents. Qu'est-ce qu'il y a les dents ? Bah, j'ai une rage de dents. Ah, une rage de dents, mais... Ah, mais t'en as encore ? La rage de dents, exprimez-la, elle sera dehors. Il y a longtemps qu'il a la rage de dents, oui. Et pourquoi vous avez... Il faut les retirer, les dents. Mais c'est ça, pourquoi vous les avez pas laissées, que vous n'en avez pas pris d'autres ? Mettez-les dans le verre d'eau. Laissez dans le verre. Parce qu'on est trois à voir ça. Il y a mon père et mon petit-fils. Ah oui ? Et moi, on a le même râtelier. Ah, alors atelier. C'est des dents en alternance ? Ah bah oui. Alors quand il y en a un qui trouve à manger, il prend les dents. Ouais. Il est intermittent des dents. Oui, ouais, absolument. Quand j'étais petit, il y avait une paire de chaussures pour aller à l'école, pour trois frères. Et maintenant, il y a un râtelier pour un père. Il y a un râtelier, on dit plus râtelier depuis je sais pas combien de temps. Alors, non. C'est vrai qu'il y a des belles dents. Il y a toujours un sourire impeccable, c'est bien, c'est incroyable. Ta gueule, toi. Non mais, tu vois, après une carrière aussi fabuleuse que la mienne, je vais faire rire des hôtesses de l'air maintenant, mais ça va pas. On dit pas de Monsieur Janssen que c'est une hôtesse de l'air, alors que c'est un charmant ex-steward qui triomphe sur scène. Qu'est-ce que c'est qu'une hôtesse de l'air ? C'est un ex-steward. il a rempli la cigale, je sais pas si vous êtes allé l'applaudir. C'est bien la seule gonzesse qui n'est jamais remplie. Oh non. C'est une salle de spectacle, la cigale, vous voyez. Ah bon, ouais. Ah bon. Non, de toute façon, vous intéressez pas à nous. Vous intéressez qu'à vous. Je suis sûr que vous n'êtes même pas allé applaudir Gérard Jugnot dans La Raison d'aimer. Vous n'avez pas lu le dernier album du chat de Philippe Geluck. 12 euros chez Casterman. Vous n'êtes pas allé applaudir Janssen à la cigale. Le film d'Ariel Dombal, est-ce que vous êtes allé le voir ? Voilà, Ariel, grondez-le un peu. Mais... Non, parce que j'ose pas sortir dans Paris. Pourquoi ? J'ai peur de mon public. Si jamais je suis reconnu, c'est Pierrot. Et moi, en fait, j'ai l'air d'un mec comme ça et tout. Je suis une fleur qui rêve, moi. En tout cas, je serais ravie que vous veniez voir Alien Crystal Palace. C'est vraiment, je serais honorée. Mais c'est mon film. Oui, c'est... Parce que vous faites du cinéma, maintenant ? Je fais du cinéma, voilà. Bon. Et c'est un film qui recueille des très bonnes critiques et qui divise la critique. Ça devrait vous plaire. Ah, c'est pas turf, hein, c'est sûr. Ouais. C'est autre chose. Ça devrait vous plaire.